Ouais, nous live, live and direct. Bonsoir tout le monde. Ouais, bon, c'est nous correct. C'est aillé. Ouais, on dit qu'on peut commencer, c'est aillé. Eh ben, là, nous deuxième rendez-vous, deuxième lot troisième, le Open Music Theory. Une initiative proposée par Mama Jazz, et comme nous tous dans la case même, PK s'impose, moi y compris. Et ben, nous disons, nous portons un moment ensemble. Et la dernière fois, je remercie tout le monde du monde qui t'y connecté. Et là, nous relogués aujourd'hui, nous sens thème, et on finit mettre un petit piano là-haut, là, tout nous qu'à prendre un petit plaisir. Et aujourd'hui, thème, c'est de l'harmonie. Alors, ils vont nous pousser. Encore une fois, c'est pas facile, hein, d'un format comme ça, mais l'idée, c'est surtout, et sans un dialogue. Ok, donc, ça veut dire, pas hésiter, pose question, le live YouTube, le live, le pas Mama Jazz, nous sommes capables d'essayer, hein, en tout cas, essayer de répondre à d'autres questions. Mais non, encore une petite surprise encore pour d'autres aujourd'hui, m'espérer. Tout dépend réseau, tout dépend, un problème technique ou pas, nous bouguetter. Donc, nous supposer, et on a un special guest qui besoin de nous, ben nous guetter tout à l'heure. C'est pas de, tout correct. Mais en tout cas, il a, moi, Moulam, mon mari content, porte à ce moment-là aux autres. Et, ouais, l'harmonie. Donc d'abord, ouais, c'est-à-dire que c'est un sujet assez vaste également, hein. C'est-à-dire que nous pousser, comme on dit, moi, déjà, on prépare des trois petites choses pour moi, sans aux autres, pas nous affecter, moi, on apprend. L'homme l'expérience, et puis surtout au conservatoire, et puis jouer avec ben grand musicien, travailler avec un musicien qui n'a plus l'expérience que moi. Et, bon, tu voudrais, si c'était mon portail, ça prend une petite chose, là, aux autres. Ok? Et, premier tableau, faut bien comprendre, nous, tu peux causer la dernière fois composition, nous, tu peux faire une nuance entre composition et clarancement. Et ben, il paraît ici, en fait, l'harmonie, il y a une affaire l'image simple dans ce principe. Qu'était l'harmonie? C'est justement une organisation dans la musique qui peut sonner à plusieurs voix. Ouais, là. Ça veut dire tout le temps, nous t'en cause ça. Nous dit, ah, il y a un instrument monophonique, comme on parle moi, trompette, saxophone. Nous dit tout souvent, arrivé un moment dans notre apprentissage, notre bizarre prendre un instrument qu'on appelle harmonique, justement. Qui lit la guitare, qui lit piano. Et c'est pour sa raison là. Ça veut dire que si nous restons, nous pas capables de comprendre la musique dans l'intégralité, si nous pas tous un instrument harmonique. D'accord? Parce que justement, l'harmonie, c'est l'organisation des voix en relation, ban note, en qui ban relation, qui réside ban note en deux autres. Donc, déjà, tout ban dimon qui peut écouter, tout ban musicien, si tu es un apprenti, saxophoniste, trompettiste, même un instrument un petit peu plus à côte, comme un, bon, c'est pas vraiment monophonique, mais au moins, il y en a, par exemple, violon, etc., un instrument qui pas forcément donne une grande possibilité au niveau harmonique, hein, la guitare, par exemple, nous capables combiner six voix, qui déjà, Marie, c'est, il commence à venir intéressant. Alors, c'est l'instrument maîtresse, pour ça, bien évidemment, c'est le piano. Nous, il y en a, non seulement nous capables d'explorer une tessiture dans une très grave, en plus, très aiguë. Et voilà, donc moi, vite d'autres déjà, dans l'apprentissage, tout s'intégrine en l'instrument dit harmonique. Parce que justement, c'est comme ça qu'il nous est capable de comprendre la relation qui passait entre bandes notes. Ok? Et ça, dit marie important. Ah, c'était là, justement, sa relation-là, nous sommes conscients de ça. Un petit exercice pour montrer aux autres. En tout cas, encore une fois, moi, cause mon expérience personnelle, comment moi, je me développe, si j'ai sa notion d'intervalle. Alors, nous tout connaît qui était, enfin, musicien, en tout cas, nous tout connaît qui était l'intervalle. Ça veut dire que c'est une distance entre deux notes. Ça veut dire, si je fais do, mi. Donc là, nous trouvons, on appelle ça, intervalle, un tierce majeur, tierce mineur, corde, quinte, etc. Donc l'intervalle n'est pas juste entre des notes, bien évidemment, c'est bien dépendant de ce qu'il nous peut faire, mais nous sommes conscients déjà de sa relation-là. Et loin de piano, il y a une affaire assez extraordinaire pour nous trouver sa relation-là, un petit exercice justement pour nous montrer aux autres. Nous sommes conscients qu'une note, il y en a 11 relations différentes, 11 intervalles différents, quand on dit même 12, hein, parce qu'il y a octave, ben, on a dit
Voilà, Dana Dimoun a raison, bien sûr, qui traite octave comme un intervalle distinctement. Ce n'est pas la même note. Et voilà, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, nous avons 11 les autres possibilités pour nous prendre conscience de ces possibilités-là. Il y a des affaires marie simple qui, moi, m'habitue à faire, qui m'a habitué à faire tout du moins. Mon qu'on fait de temps en temps pour dire, remettre mon esprit en place, c'est explore justement sa relation entre ces deux notes-là. Donc, nous prenons par exemple Do majeur. Correct, nous pouvons dire nous avons l'accord de Do majeur ici. Ok, alors ce mot, mettre mot basse ici pour nous trouver. Donc là, c'est un simple Do majeur. Donc, non en Do, nous pouvons en Do parce que c'est une tonalité qui est assez difficile, assez facile, pardon, pour qu'il n'est pas difficile pour qu'il toujours une carte visualisée. Donc, Do, Mi, Sol. À ce stade-là, qui m'a pu faire, m'a poussé, monte un demi-ton à chaque fois. Mais sa note-là n'est pas pour sans Z. Ok? Donc, mon pour apprendre, vous aurez identifié justement sa distance-là. Ça veut dire que qui peut passer quand moi, mon la voix plus haute, c'est un Do, et qui basse, je vais Do dièse, par exemple. Bon, nous connaissons qui était ça comme l'intervalle. À ce stade-là, nous pouvons prendre une triade majeure, construire depuis l'eau, ça, à quoi là, ici, depuis l'eau, ça, Do dièse, là, ici. Nous trouvons nous loin Do dièse, avec un note de Do dans l'aigu. On arrive à un Do majeur 7. Do dièse, pardon, Do dièse majeur 7. Ok, donc nous portons, nous allons là, nous nous montons, juste pour nous capables de trouver sa relation entre ces deux notes là, encore une fois. À ce stade-là, bon, man dit qui peut suivre nous, man si qui connaît, et un peu plus l'expérience, man musicien qui déjà aguerri, je peux comprendre qui là, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Nous avons un Do dièse majeur 7 qui est un accord assez joli d'ailleurs, il est assez simple par définition également. Nous avons un tonique, un dièse, un quinte et un septième majeur. Mais nous ne pouvons pas jouer à ça déjà. Sans ça des notes-là, nous avons une tas de possibilités à l'intérieur. Ok, alors nous sommes capables, par exemple, dans ce lima mineur, pourquoi pas? Ça, c'est une affaire un peu moins commune dans la musique moderne. Bon, il est assez répandu, mais il n'est pas très commun. En tout cas, dans la radio, pas tant de ça, un accord là déjà. Donc, c'est ce qu'on appelle un accord de mineur avec un majeur 7. Vous trouvez là, c'est une simple affaire. Hein? Mo logique, c'est qui m'opégode sa note là et m'a poussé monter. Alors, cela, nous sommes ici un tierce, hein? Mon remet tierce majeur là. Alors, nous avons fait une telle expérience. Nous avons pris un marine, ça, prendre l'expérience. Nous avons pas du sens, par exemple, sur quinte. OK? Donc là, on rajoute un demi-ton à ce quinte. Nous avons la courbe de majeur 7 augmentée. Et nous avons aller même comme ça. Il y a plein de possibilités. Nous pouvons essayer de jouer un petit pour vous autres. Si vous autres, prenez votre compte. Comme une possibilité, toujours base de Do dièse, et que ça n'y pas de sens. Alors, si nous sommes capables de faire ça, le tout step, le tout demi-ton, qui nous pourrons rencontrer, c'est-à-dire nous allons des Do dièse, nous avons fait ça, le Ré majeur, mineur, Mi bémol, nous allons les mêmes là, Ré dièse, voilà. Il est intéressant, ça, une jolie couleur. Donc, nous sommes capables d'appeler ça l'accord là, un Mi bémol ou Ré dièse avec un sixte. OK. Nous sommes capables de considérer comme un renversement également, mais en tout cas, nous basse, il reste toujours Ré dièse ici. Et nous sommes capables d'aller au Mi aussi. Il y a un accord assez intéressant aussi. Et nous avons encore une fois, comment se faire l'expérience sur ça? Nous sommes capables de jouer dièse mineur, jouer sa note là, jouer sa note là. Comment se travaille aussi nous l'oreille. Ça, c'est une affaire aussi, je voudrais dire, ça, c'est une affaire marie importante. En tout cas, pour moi, c'est tout le temps une évidence. Et c'est ça avec moi aussi, avec mes élèves, il marie important qui nous bisent, qui nous mène langage. C'est que ma dire, si nous prenons dictionnaire, nous prenons dictionnaire, nous apprenons tout mot qu'il y a dans le dictionnaire. Mais Marie, c'est aillé, super. Mais seulement, nous ne pouvons pas retenir qui mot là veut dire. Et puis surtout, quand les autres disent, nous ne pouvons pas comprendre.
Ça veut dire qu'il n'est pas servi nous, non, on y est. C'est ça la théorie sans la pratique. Donc pour nous, la pratique passe, pour, en tout cas pour Mandimoun qui exprime dans la musique moderne, il passe beaucoup par l'e-training. Ça veut dire que l'angaza, nous sommes capables de reconnaître lui. Les scènes d'éducation aussi. Ça veut dire que si demain, ça la cour là, de ta nid, quelque part, utilisé par notre musicien, tu n'as pas oublié, il a l'oreille absolue, comment c'est un musicien, il a. Mais qui te connaît exactement, qui te peut tendre, surtout sa relation, comment moi tu peux dire, entre sa bande l'intervalle là. Te tendre, il y a un sixte là-dedans, mais c'est des années Marie-Progrès. Parce qu'il déjà te commence cause en Gaza. Parce que si tu es content, qui te tendre, ça veut dire que tu as l'autre l'instrument, reproduire-le, apprendre, qui fait Michael Brecker, il fait tel triade, l'hôtel Laco, qui fait Metheny, il saute de si pas, tel Laco, après il a l'hôtel Laco, et ben c'est comme ça. Il y a là, nous apprendre. Mais si nous tendons la musique sans reconnaître ben, notre qui est là-dedans, tendez et na, comme en français dire, et na, entendre et écouter des affaires différentes. Donc quand nous écoutons, nous sommes capables de décrypter en même temps et comprendre. En tout cas, tout comprend avec l'expérience, bien évidemment, te progresser aussi. Ton niveau musical et tes oreilles bien progresser. Et là, tu peux capable d'entendre tout ça, man, histoire-là. On monte même, là, nous arrivons au mi bémol, mi, nous allons même, nous pouvons nos fa. Fa dièse. Toujours do la, ni la même, do la babouzé. On arrive à la côte des mi diminués. On arrive au sol. Expérience qui nous a pas fait en gardant toujours, me rappelle zot, sa note là et que sa note là, zot pas bouger et nous allons même. Majeur, mineur, aussi bémol, marisoli et Marie-Lorraine qui est un peu tendu, la seconde mineure ou bien bémol neuf, quand nous prenons une relation entre si et do. Ok, bon. Assez dissonant, mais il existait dans la musique moderne. Nous n'avons pas à faire capable de faire ça, etc. Mais on a toujours le même intervalle ici. Après, nous venons l'organisation, man voicing, l'autre, ça, il propre à l'instrument, il propre à l'acoustique, il propre à l'expérience, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une façon assez intéressante pour nous découvrir l'harmonie. Et travaille l'intervalle en même temps. Check, moi j'étais toujours, c'est pas mon guess écosté. Alors, si je t'ai une question, je n'ai pas hésité, s'il vous plaît, pose cette question, comme ça nous capables de discuter et vous pousser, en tout cas, répondre à cette question. Et nous, tu peux causer cette histoire. Dissonance et consonance, ben c'est un peu, pour moi c'est un peu la base de l'harmonie quoi. Et on parle de couleur et tout ce qui nous fait en tant que musicien, c'est choisir qui nous l'est en fonction de nos limites, nos imaginations, nos créativités, etc. Nous organise sa manette là, nous créer tension, résolution, dissonant, consonant et nous jouer comme ça. Et c'est ça qui l'oreille musical tendez ban dit mon qui pas forcément joue l'instrument mais qui content bon la musique ban mélomane avancé et qui peut-être joue un petit la musique peu importe autres pas forcément connent toute la théorie tout ça man histoire là autres hein mais qui fait autres poil levé là qui fait autres gain goosebump c'est ça c'est tension et résolution. Comment un musicien là arrive à créer une atmosphère sonore en utilisant l'harmonie. Comme ça qui nous besoin. En tout cas, c'est pour comme ça moi j'essaie de trouver. Ça veut dire et c'est juste un outil que nous capables exprime un mood musical. Donc soit dans une composition, soit dans l'improvisation aussi. Alors après il y a nous cause jazz dans ce forme la plus évoluée que nous capables cause un chorus, une improvisation. Plus musicien là, l'y caler dans ce culture musical, ça veut dire qu'il lit, entend la musique, il comprend l'intervalle, il connaît qui était
Kouma joué sur tout paquet était. Tout du monde connaît qui était une consonance, une dissonance, un son qui proche, bien évidemment, et qu'un son qui un petit peu plus consonant, comment nous dire. On va prendre dans le débat qui était un consonant exactement, tout ça là. Bah, ça, c'est voilà, le Kako Sanlozu. Mais en tout cas, il a un musicien qui plie, il maîtrise, en gros, entre guillemets, l'harmonie, plie, il est capable de mettre au service de ce vocabulaire. Donc, ça peut faire lui soit un compositeur extraordinaire, soit un improvisateur affirmé. Ça veut dire qu'il comprend la musique dans n'importe quel contexte musical, il apprend sur l'instrument, il joue, il participe. Il connaît mot cela, c'est pas nous pèse plutôt d'une tonalité majeure, plutôt tonalité mineure, côté il peut aller, c'est une transposition, c'est une modulation, il peut capable suivre, il capable jouer. C'est tout simplement ça. Moi, mon courage, en tout cas, ben, zen musicien, pense-lui comme ça, pour capable justement comment sortir un peu de ça, l'aspect purement théorique. OK? Mais c'est juste ça. Maintenant, nous besoin nommer les choses. Si nous voulons avancer, si nous voulons comprendre, nous besoin capable de nommer les choses également. OK? Et il paraît, pensez que vous parlez portage exote, nous appelons ça un traité quelque part. Hein? Nous connaissons qui une graduation des 12 notes. Hein? Dans la musique moderne, là, il y a une 5 notes, il y en a plus là. Ok, et dans l'histoire, la musique, ben, j'imagine pas que les temps organisent ça. Faire ben, ce qui m'a appelé un traité, c'est-à-dire une convention, une établir un schéma, un schéma préétabli. Moi, trouver un musicien qui déjà connaît, je trouvais que mon père allait ça. C'est ce qu'on appelle dans la musique un mode. C'est tout ce qui était un mode. Un mode, c'est un l'environnement, un schéma préétabli des un système. Voilà, dans jazz, dans théorie, nous causons le système. Il y a un système. Alors, s'il y a plusieurs systèmes, ça veut dire qu'il nous prend une la gamme composée de 7, 8 notes et nous sait faire un système. Ça vaut plus, hein, il y a un système, il y a 9 notes, 10 notes, peu importe. Et nous fait un système à ça. Donc, nous pouvons prendre aujourd'hui un exemple simple et nous pousser portage exote une information qui, moi, en tout cas, personnellement, me fait moi gagner un déclic. Ça va une histoire qui nous appelle band mode, tout ça là. OK, donc ça, il m'a rien pour autant. Et là, donc ça veut dire nous pouvons cause mode, nous cause mode majeur. Alors, nous avons une façon assez linéaire. Pour bon, moi, qui nous déjà prend un coup, qui nous vient de livre un peu l'harmonie, tout ça, je ne déjà trouve ça, je ne déjà trouve une affaire comme ça, déjà comme ça, il a ouais, non, do. Donc ça, c'est premier mode, c'est ionien. Deuxième mode, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, éolien, locrien. Là, ça, c'est le mode majeur. Pour beaucoup d'immunes. On va pas dire pas ça, hein, c'est ça, en fait, la vérité. Mais ça, encore une fois, c'est un schéma. Déjà, c'est pas la musique, ok? Pénal la musique là-dedans. C'est juste une description d'un schéma. Ok? À ce là, encore une fois, qui ça, ce schéma-là? C'est un schéma harmonique. Quand nous peut organiser une sonorité, encore une fois, par rapport au ban intervalle. Et voilà, donc bah, la musique qui n'est pas née hier, hein, ça nous a fait qui marie en chien. Et donc, nous avons un nom grec, aujourd'hui, en théorie, nous utilisons cette appellation grecque là pour nous identifier les autres. Donc, nous avons sept modes, donc ça qui fait le mode majeur. Okay, nous avons sept éléments là-dedans qui fait le mode majeur. Et donc, là, maintenant, sa manière assez linéaire qui nous apprend ça souvent, il y a une chose qui manquait. Il manque la musique, parce qu'il ne nous pas apprendre en se servant de nos oreilles, ne pas écouter et ne pas comprendre si nous pas essayer d'écouter et identifier. Donc, un indimouni, oui, exactement qui est là, qui note qui est là dans une fa dièse lydien, il trouve ça, dis-moi, tout de suite là, il prend un papier, il écrit, il même l'un porté, ben, qui fait musicologie, tout ça là, je te connais tout ça là pour qu'il y ait un système, peut-être même limite mathématique, parce qu'il nous capable compte ben, ton et demi-ton, nous capable établir tout un système, un schéma en utilisant ben, chiffres, etc. Tout ça là, c'est pas la musique en cours. Donc, il connaît qui était un fa dièse lydien, par contre, jamais il pourrait reconnaître lui. Si il joue, si moi je joue un accord lydien, ce qui, ça dit le monde là, il est capable de reconnaître lui. Des affaires différentes. C'était là, quand vous étiez les autres, est-ce qu'ils ont fait partie du monde qui connaît la théorie et qui patane la musique, ou je préfère venir les deux, choisir nous l'équipe, nous tous nous avons nos lacunes, ça nous a fait du mari important.
Si je pensais qu'il y a une lacune pour ce de bizarre, avant même commencer à le plus loin, parce qu'il y a plusieurs modes, même, autant de mandimoun causé mineur mélodique, mineur harmonique, majeur harmonique, double harmonique, beaucoup de schémas existaient, bien sûr. Mais nous bizarre déjà commence pour ce schéma-là, donc le mode majeur, nous bizarre capable de reconnaître ça, cette couleur qui est primordiale. Après, les poussis, viennent plus complexe, parce qu'il, dans le Mamodia, un système, c'est sept notes, une la gamme, hein. Ok, eh ben, ça veut dire qu'il est tout le temps pareil, sauf qu'il est pour une beaucoup plus complexe. Alors, nous apprendre déjà à reconnaître. Moi, je donne un système pour ça, système que tu as envie de revenir à l'eau là. Ok, eh ben, là, nous avons, par exemple, une petite cause d'eau. Ah, mon comme guest in PSC. Eh ben, nous pouvons passer au mon guest, après nous capables. Zenozit. Monsieur Adrien Ferraud, tu nous entends? Vini, là, mon gars, il est pareil. Allô, allô. Yes, tu nous entends? Ah, ben je t'entends, mais alors du coup je te vois, mais C'est comme voilà. tu veux, tu peux faire qu'on te voit ou pas, c'est comme tu veux, il n'y a aucun Oh, souci c'est dans ça. fabuleux. Écoute, Ah ben parfait, tu es ça beau. c'est l'an 2000, ça. Ça c'est, tu vois, ça T'as c'est vu l'an ça? 2000. C'est nous ça. Monsieur, messieurs, dames, monsieur Adrien Ferraud, voilà, qui nous rejoint. Déjà, Adrien, merci hein, d'avoir accepté notre invitation. Mais Je t'en avec suis plaisir. reconnaissant. Et justement, on parlait de l'harmonie avec les viewers. Oh. Et ben, j'ai pensé justement, qui mieux que toi d'aborder ce sujet? Alors, Alors, moi, c'est attends. pas mon truc du tout, ça. Alors, déjà, messieurs, dames, vous qui nous écoutez, c'est qui Adrien Ferraud? Bassiste, musicien français, au CV qui parle pour lui-même. Hein. Je vais vous citer quelques noms, hein, voilà, histoire de voir un petit peu de quelle envergure on est en train de Bah, dis mesurer. donc. John McLaughlin. Eh, si je me trompe, tu me dis. Hein. Chick Corea. John Malkovich, Chikungunya, Pirelli Lagraine. Jean-Luc Ponty. Gino Vanelli. Mike Stern. Dave Weckl. Vinnie Colaiuta. Tant d'autres. Voilà. Autant de personnes avec qui tu as partagé la scène. Et celui-là. surtout, moi qui ai eu la chance de partager ce métier avec toi. Et j'ai été toujours impressionné par ton sens harmonique en tant que musicien, en tant que bassiste. Et voilà, donc ce qui m'amène à justement à te poser quelques petites questions pour voir un petit peu que voilà. Et puis surtout, messieurs, dames, si vous nous écoutez, si vous avez des questions pour Adrien, n'hésitez pas. Alors dis-moi, Adrien, comment raconte-moi un petit peu ton apprentissage, quoi. Comment tu t'es mis justement, parce que la basse, c'est pas forcément réputé pour être un instrument, on va dire, harmonique par excellence, hein. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a fasciné? Comment, c'est quoi ton cheminement un petit peu dans tout ça, toi? Dis-moi un peu. Et en fait, bah mais celle-là, c'est ça, en fait, c'est à la base, évidemment, la basse a un rôle comme tous les instruments. Après, on peut en fait, on peut décider de simultanément, voilà, de ne pas être que, de ne pas avoir que le statut de l'instrument qu'on joue. Et ça, je pense que bah, tu. Quelqu'un comme toi, déjà, alors attends, j'ai commencé à parler, mais je t'ai pas remercié parce que pour moi, évidemment, je sais pas qui nous écoute, hein, j'ai aucune la lecture ou je vois rien du tout. Si tu alors donc on est Mais alors avec l'événement Mama Jazz, c'est surtout très ancré pour le public oui. mauricien. Alors c'est international certes, mais voilà, donc on a surtout beaucoup de Mauriciens et de Mauriciennes qui nous Et écoutent. bah, écoute, vraiment, non, bah, je tiens à leur dire justement que tu vois, moi, j'ai vachement de respect pour toi, tu vois. En plus, voilà, humainement, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Je sais pas, Eh c'est 2003, tu es l'une des premières personnes que j'ai ouais, c'est connues, ça. je sais pas, la première année de ma vie de musicien en tant que professionnel. Donc, c'est quand même assez énorme, tu vois. C'est beau, ouais. Moi, j'ai toujours, voilà. Donc vraiment, je te retourne les compliments en long, en large, hein. Merci.
Tu sais ce que je pense de toi, mon petit tonton, mon petit couillu. Hein, parce que là, on est très solennel, mais quand même. Bref, en tout cas, pour continuer, pour répondre, c'est vraiment après avoir passé le stade, tu sais, d'aimer la basse en elle-même, l'instrument, le son. En fait, c'est, quelque part, on ne choisit jamais notre instrument, ça s'impose un peu, c'est des choses... on a le choix quelque part quand on entend un groupe ou une pièce, il y a beaucoup d'instruments, mais il y a toujours quelque chose qui nous attire un peu plus. Moi, je trouve que c'était la basse et la batterie. Mais j'ai poussé la basse parce que justement, la basse fait des notes. Alors oui, on va me dire que la batterie peut en faire aussi, mais voilà, toujours le mi-chemin entre l'harmo et le rythme. Au début, c'était ça. Et puis après, comme je suis un amoureux de la musique, de toute manière, même avant de savoir ce qu'une basse électrique est, j'ai juste continué mon cheminement de musicien et je me suis parfois permis de me servir de la basse pour faire ça. Donc, quelque part, voilà, c'est toujours ce que je dis. Y a mon rôle de bassiste, il y a Adrien, le bassiste, que j'adore être bassiste, c'est génial. D'ailleurs, malheureusement, je ne suis pas assez connu en tant que tel. Ça, bon, c'est, voilà, c'est Internet, mais voilà, donc j'ai toujours été un amoureux de l'harmonie. L'harmonie, c'est pour moi, je l'ai déjà dit dans certaines autres interviews, et je ne sais pas si tu peux me rejoindre là-dessus. Je pense que c'est vraiment ce qui régit la musique. Et ce qui donne une nature à une mélodie, en fait. Donc, souvent, on peut, quand on regarde un film, par exemple, n'importe quel film, il y a les deux cas où parfois il y a le riff ou la mélodie qui revient. Et si tu veux, elle est toujours réharmonisée selon le mood. Et ça change tout. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, l'harmonie, c'est tout. C'est la musique, c'est ça. Et après, il y a la mélodie. Moi, l'harmonie, je la mets toujours avant, quoi. Je ne sais pas si... Et en plus, alors attention, moi, je suis un gitan dans le sens où je n'ai pas du tout les termes techniques. Et toi, Jerry, tu vas pouvoir me corriger là-dessus. Mais moi, grossièrement, j'ai pris une basse et puis j'ai commencé à repiquer quand mon père m'avait expliqué... les positions et de là j'ai tracé, tu vois, et puis après j'ai fait ma tombouille tout seul, voilà, tu vois. C'est intéressant. En fait, ce qui est drôle, c'est que voilà, les auditeurs confirmeront, j'ai dit quasiment presque la même chose avant que tu arrives, donc c'est cool qu'on se rejoigne là-dessus. Donc j'ai parlé de mood, de couleur, d'intervalle, de créer des tensions, des dissonances, des consonances, voilà, c'est ça l'harmonie, quoi. Voilà. Et justement, alors comment t'expliques ça? Alors on m'a un peu maltraité pour aller au conservatoire et j'étais obligé d'y aller. et voilà, donc j'ai aussi une lecture assez très scolaire de ça. Et toi, justement, qui est un pur autodidacte, comment t'as fait, justement? Comment tu donne-nous ton secret, s'il y en a un. Écoute, j'ai même pas fait. Je sais, et c'est dingue, en fait, c'est... Alors déjà, évidemment, je pense les deux, c'est-à-dire que l'école et les structures, je pense que c'est important pour apprendre les outils du métier. Après, est-ce que la musique se transmet? Voilà. Alors moi, comment j'ai fait? Tout simplement en ouvrant mes oreilles, puisque sans les oreilles, il n'y a pas de musique, j'imagine. Et c'est vrai, c'est tout con à dire, hein. C'est vrai que c'est con à dire, mais en fait, j'avais la chance. Alors, en fait, j'ai mon oreille, quelque part, je me suis rendu compte qu'elle était déjà un petit peu formée de par les musiques de films, en fait, tout simplement. Alors, les musiques de films, ça, on va dire que c'était les harmonies un peu plus poussées, chiadées. C'est ça, ouais. Mais il y avait tout le reste aussi de ce que me faisait écouter mon père, qui a trait au rock, au rhythm and blues et à la pop, à ce qui était populaire et mainstream, genre à l'époque, quoi, des années 60 à 90, on va dire. Mm-hmm. Donc, j'ai grandi avec ça et en même temps, j'ai toujours... tendu l'oreille beaucoup quand la première fois que j'ai vu Star Wars,
Bah, j'ai entendu, voilà, en plus, bon, évidemment, alors mon père ne me faisait pas écouter du classique, mais on va dire que c'était mon introduction au classique. Oui, Par la suite, c'est le juste milieu, quoi. Ouais, c'est le juste ouais. milieu. Et en fait, tout Ouais. simplement, par la suite, je me suis renseigné sur ce qu'avaient écouté ces compositeurs de musique de film. Et il s'avère que voilà, c'était surtout de la musique du fin Bien sûr. 19e, début 20e. Beaucoup de Holst, beaucoup de Ravel, beaucoup de bon, Rachmaninov, tous ces Debussy, gens-là, Debussy, Stravinsky, etc. Mais, et donc, bah, j'écoutais ça en parallèle d'écouter hein, tous les compositeurs, Jerry Goldsmith, Alan Silvestri ou Ouais. James Horner, James Newton Howard, John Williams. Et ça, c'était mes Bien sûr. principaux. Et en fait, si tu veux, j'avais déjà ces noms-là. Et à 10 ans, quand j'ai dit à mon père, j'adore ce son, c'est quoi? C'est bien, c'est la basse, hein, ce qu'on entend là. C'est quoi le truc qui fait boum, boum? Et il m'a dit, ouais, bah oui, c'est la basse, j'en ai une quinzaine à la maison. Et il me fait. Ça tombe bien. Et moi, je m'en branlais, les guitares, les basses, je ne savais pas trop à l'époque, tu vois. Moi, je voulais être acteur, en fait. Je voulais être acteur de films d'action. Donc, j'ai été constamment déguisé. Je m'en foutais. Et un jour, donc, j'ai pris une basse, j'ai commencé à harpiquer. Alors, au début, tout ce qui était, voilà, les trucs de Clapton, les trucs je sais pas, des Beatles, tu vois, enfin voilà, plein de choses différentes, même des choses carrément, des choses genre Alanis Morissette, Ouais, Sheryl bien sûr, Crow, mais j'ai adoré tout ça. Et en fait, j'avais pas de ligne de conduite, je piquais ce qui me plaisait. Et un beau jour, après, je sais pas, peut-être 2 ans, j'avais 12 ans, et mon père me dit, bon, bah écoute, apparemment, tu as l'air d'aimer la basse, donc tiens. Il faut absolument que tu écoutes Jaco Pastorius. Il m'a Ah. ramené, un album, ça devait être le Birthday Concert. Et là, je suis tombé parce qu'il y avait tout. Il y avait le mélange de tout ce que j'aimais jusque-là. C'est-à-dire, là, j'entendais de la musique de film jouée dans une formule de groupe. Alors, je ne vais pas dire rock, mais en tout cas, c'était. Bah, Putain, tu pour peux le dire, moi. je pense. Bah, Bah si, pour bah, moi, tu peux non, le mais dire, hein. ouais, c'est ce que j'ai dit à mon père. J'avais aucune référence, donc j'ai dit à mon père, mais c'est marrant, on dirait de la musique de film jouée comme dans un groupe, tu vois. Et moi, je suis tombé amoureux. Et en fait, c'est ce qu'on appelait le jazz fusion. Alors après, maintenant, aujourd'hui, c'est péjoratif, malheureusement. Mais tout simplement, voilà, donc tu me demandais, je me suis étendu, comment j'ai Bah, fait c'est bien. Ouais. Écoute, j'ai absorbé, je me dis que j'ai fait comme quand tu es bébé et que quelque part, à force d'entendre les adultes parler, tu commences à savoir parler même avant d'écrire. Donc, tu associes les mots à certains objets et certaines situations. Et quelque part, la musique, c'est pareil, tu vois. Je Oui, l'ai c'est-à-dire toujours que tu comparé à ça. Donc as après, pris le son, tu as pris le son lydien avant de savoir ce que ça s'appelait un lydien, en fait. Et c'est exactement, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça que je pousse tous mes pseudos, j'appelle mes élèves, tous les gens à qui je donne parfois des directions, voilà, dans le cadre d'une leçon, etc. Je leur dis, écoute, je sais que tu es dans une école, il y en a beaucoup qui sont dans des écoles parfois, et je leur dis, écoute, il y a quelque chose que tu dois absolument arrêter de faire maintenant, là, à cette seconde où je te parle, c'est d'utiliser les partitions pour repiquer des morceaux, c'est une hérésie. Alors, c'est une hérésie. Après, je parle du processus d'apprentissage. Oui, Quand oui. la nature, quand l'harmonie et même limite, toi, en tant qu'instrumentiste, t'es devenu une seconde nature, tu peux t'aider des partitions pour bosser quand tu n'as pas le temps, parce que quand tu n'as pas tout le temps, voilà, c'est vachement important de savoir lire la musique. Et tu vois, moi, je ne sais pas lire à vue, justement. Mais ce que je dis toujours, c'est dans ton processus d'apprentissage, quand tu te formes, c'est une hérésie d'apprendre avec des partitions. Tu peux pas. La musique, ça s'écoute, ça s'entend, ça s'absorbe comme ça. Tu peux pas lire. Sécurité, ouais. Après, oui, quand tu as des pièces classiques, mais pareil, si c'est des pièces classiques qui font 20 minutes, tu les absorbes. Petit à petit, bien Il sûr, faut ouais. absolument, c'est primordial, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça, Jerry, on en a parlé
On en a parlé combien de fois? Toi et moi, on en a parlé combien de fois? C'est comme si... Alors, aujourd'hui, tu as des gens qui sont des encyclopédies de savoir musical. Et quand tu leur fais un accord majeur 7 plus 5, ils réfléchissent. Mais par contre, quand ils le voient marqué, ils vont t'expliquer le pourquoi du comment. C'est comme si tu apprenais le portugais, tu vois, et que quand quelqu'un te parle portugais, tu ne reconnais pas. Mais le par contre, quand tu le vois marqué, c'est bon. Tu reconnais. On est d'accord. Donc, pour moi, c'est exactement pareil. Ça. Ouais. L'analogie, c'est la même chose. Donc, si tu veux, moi, je ne savais pas à l'époque. J'en savais foutre rien. J'avais 12 ans. Ouais. Mais par contre, je peux te dire un truc, c'est que en fait, en faisant quelque chose complètement inconsciemment, je me suis rendu compte à quel point ça a été bénéfique parce qu'aujourd'hui, je vois les jeunes, certains qui ont le réflexe comme ça. Ah oui, alors, est-ce que tu sais, quand on me demande parfois, il y a beaucoup de messages comme ça qui m'arrivent et c'est est-ce que tu as la partition de ton morceau, de ton argent? Et j'ai envie de leur dire, les gars, non. Et même si je l'avais, je ne vous la filerais pas. J'ai envie de leur dire, mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre le morceau et tu vas le repiquer, en fait, à l'oreille. Ouais, c'est ce que tu avais fait avec moi l'autre jour avec Kids. Tu prends tes oreilles. Hein, pardon? C'est ce que tu m'avais fait faire l'autre jour avec Kids. J'ai mis une demi-journée, mon pote. Non, mais et vraiment, ça c'est pas. Ouais, par c'était contre, cool. Vois, ouais. Non, mais je vais te dire, et après, on va rejoindre cette question. C'est vrai que, voilà, ouais. Comme je suis une truffe totale et que. J'écris pas, mais un jour je vais le faire. Et quand je vais apprendre, ça va barder, tu vois. Mais là, j'écris pas une partition. Je peux pas écrire une partition correctement. Donc là, j'en avais pas. Et tu vois, Jerry, voilà, pour ceux qui écoutent, Jerry, il a repiqué le morceau et il y avait aucune erreur. Enfin, voilà, il y avait à la limite des erreurs parce qu'il y avait des choses qui s'enchaînaient. Donc c'est ça, voilà. Et si tu veux, moi. C'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, les gars, pour être grand, il y a un truc qui marche pas. C'est la paresse et la grandeur, ça va pas ensemble. Si tu veux être tu vois ce que je veux dire, c'est putain, sors-toi les doigts du cul. Tu vois, tu prends ton morceau, tu prends tes oreilles, tes oreilles, ouais, exact. Et tu grattes. Voilà. Après, attention. Après, si dans ta formation, tu ne t'es pas entraîné à entendre, alors dans ce cas, laisse tomber. Ce n'est pas la peine parce que tu ne t'entendras rien. Mais par contre, tu peux toujours commencer à lâcher les partitions et à te faire des entraînements, des ear training. Voilà, c'est primordial. Et en tant que professionnel, l'outil de la lecture est important, mais il ne faut pas, absolument pas s'appuyer là-dessus. Absolument. Donc en fait, tout ce que j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait, c'est que moi j'avais la chance de, quand j'ai entendu du jazz la première fois, il y avait beaucoup des accords et des textures et des harmonies qu'on connaît déjà beaucoup dans le jazz. Et tout ce que j'ai fait, c'est poser d'abord la gamme et le mode. Donc en plus, nous, tu vois, et vous aussi, c'est les formes géométriques. Donc alors, à la limite. Si au début, tu n'entends pas vraiment, tu peux t'aider avec la forme géométrique. Et après, le son et la forme géométrique vont s'associer. Et donc, tu sais exactement, quand tu vas faire un cluster, tu vas exactement savoir comment ça sonne, à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. Et après, tout ce que tu as à faire, c'est à poser le nom de l'accord. Ouais. Et voilà. Mais je n'ai pas fait ça dans l'autre sens. Je ne me suis pas dit, alors là, j'apprends un accord de do dièse 11 dièse 13, tu vois, ou alors 11, dièse 11 13. Non, je me suis pas dit ça, en fait. Ça, c'est venu quand j'ai dû expliquer aux élèves, si tu veux. Mais voilà, donc la couleur lydien dominant, tu vois, voilà, super le grillien, etc. Ça, c'est des couleurs qu'on entend partout dans la musique de film, enfin, surtout d'ailleurs. Malheureusement, de moins en moins, et ça, c'est quand même dommage. Oui, les nouveaux compositeurs, t'as remarqué, les nouveaux compositeurs, c'est pas ça du tout. Ah ouais, ouais. Majeur, mineur, et à la limite, sus 4, parfois diminué, mais putain, ils ont oublié les demi-diminués. On perd, hein, c'est clair. Ouais, c'est clair. Voilà.
Donc, bah, j'imagine pour toi, ça a été pareil. Enfin, j'imagine, quoi. Ben oui, c'est, on partage quasiment le même chemin. Bon, alors après, comme je t'ai dit, au moment où, quand je suis arrivé en France, ben, quand on s'est rencontrés plus ou moins à cette période-là, c'est-à-dire que c'est maintenant, à ce moment-là, que j'ai commencé à apprendre à mettre des noms sur des choses que je savais Voilà. déjà. Donc, alors il y avait des lacunes, bien évidemment. Enfin, des lacunes, je veux dire, il y avait des zones d'ombre que justement la théorie m'a aidé à éclaircir. Mais c'est certainement pas le fait de prendre un bouquin qui m'a fait apprendre Non. l'harmonie. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne s'apprend Non. pas Et que dans il y les, a en tout cas, beaucoup pas que dans les bouquins. Voilà. d'exemples. Ouais. Ah, on t'a Y a beaucoup perdu. de musiciens comme ça. Ouais, Allô? c'est revenu. Ah Vas-y, merde. ouais, Allô, yes. allô? Ouais, c'est cool. Ouais. Non, je te disais, on peut voir beaucoup. J'ai cité Biréli Lagrène, tu vois. Ouais, Putain, je pense laisse qu'il sait tomber. Ouais. pas. Il sait, et je pense pas qu'il sache même le nom de toutes les notes sur le manche. Mais là, tu parles. Ouais. Là, parlons de quelqu'un qui maîtrise en long en large la musique et son instrument, sans savoir, sans connaître vraiment ce qu'il en est des appellations. Donc, en fait, c'est deux choses différentes. Souvent, tu as remarqué les gens qui te disent, putain, tu n'es pas la musique, mais tu joues. Putain, comment tu peux jouer comme ça? Mais ça n'a aucun Alors rapport. ça, c'est pas lié du tout, ouais, carrément, ouais, pas du tout. Voilà. Bah Voilà. écoute, si t'avais un conseil au-delà de ça à donner aux jeunes musiciens mauriciens qui nous écoutent pour justement progresser et en tant qu'instrumentiste et surtout à apprendre, à avoir la maîtrise, des choses à écouter, des choses à faire, même en tant que bassiste, adresse-toi au bassiste, tonton, voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes bassistes qui nous écoutent? Alors, écoute, j'allais sortir une connerie, je vais essayer de rester sérieux 2 minutes. Mais non, mais écoute, voilà, les jeunes bassistes, déjà ne jamais oublier le rôle de cet instrument. Et après, j'ai envie de dire, oui, voilà, parce que y a un trend en ce moment, et ça, c'est, je pense, les réseaux sociaux qui ont fait ça. C'est que maintenant, tu vois des bassistes virtuoses de plus en plus, dans le sens où maintenant les bassistes veulent s'exprimer beaucoup, puisque de toute façon, c'est l'ère du show-off un peu, et c'est normal, c'est le jeu, hein. On s'y prend tous. Simplement, j'ai eu affaire à, par exemple, des cas où les mecs prennent une basse pour apprendre tout de suite à faire des solos. Et ils ont absolument oublié la raison pour laquelle l'instrument a été designé, en fait. Bien qu'attention, je suis pas du tout, je suis assez progressiste Ouais, c'est là-dessus, je ça. sais pas si c'est Ouais. ça. Écoute, je suis pas là du tout à dire que sur une basse, on devrait Ne plus n'assurer jouer que que les quintes l'accompagnement. et voilà. Non, Ouais. mais, non, mais, non, mais en fait, tout simplement, il y a même pas, ça va au-dessus, ça va au-delà. Il faut juste jouer la musique, ne pas oublier à quoi sert ton instrument, et quand c'est l'heure pour toi de t'exprimer, à ce moment-là, ton instrument n'a plus besoin d'être une basse. Tu t'exprimes en tant que musicien. Parce que trop souvent, et malheureusement, ça touche beaucoup les bassistes, ils oublient que les bassistes oublient qu'ils peuvent être aussi musiciens. Donc musicien, ça englobe tout. C'est-à-dire que bah, ça ne veut pas dire que parce que tu es bassiste, tu n'as pas besoin d'avoir autant de savoir qu'un pianiste. Après, je veux dire, faut faire ce qui t'épanouit, quoi. Si ton kiff, c'est. Si ton. Je trouve, moi, personnellement, pour ton bien personnel et pour te nourrir, en fait, entre guillemets, oui. Quand tu te proclames musicien et que tu es un amoureux de la musique, entre guillemets, bah c'est bien d'explorer, tu vois. C'est bien, par exemple, dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas vraiment, les zones d'ombre en question, et bah tu essayes d'analyser pour que ça soit plus une zone Ça, d'ombre. exactement, oui. Alors, parce que de toute façon, tôt ou tard, tu te retrouveras, on a toujours ces petits complexes où on se dit, putain, là, je ne suis pas solide. Et il y a beaucoup de paresse. Parce que parfois, tu as l'impression d'abattre. Tu te dis, tu sais, putain, j'ai déjà quand même pas mal bossé dans ma vie. Ça va, quoi, ça va. Mais en fait, non. J'ai envie de dire,
j'ai envie de dire que moi, je pars du principe que une fois que je maîtrise, et je me permets de le dire parce qu'on maîtrise, je ne sais pas si on maîtrise, mais une fois que tu es à l'aise quelque part, eh ben, tu bascules sur quelque chose d'autre, tu vois. Voilà, tu bascules sur quelque chose d'autre. Par exemple, moi, je suis très à l'aise avec toutes les gammes basiques qu'on connaît tous, diatonique, mineur mélodique, mineur harmonique, c'est devenu une seconde nature, il n'y a pas de problème. Et après, il y a des gammes hybrides. Et là, je ne suis pas hyper à l'aise, en fait. Mais par contre, parfois, j'en produis quand je joue. Et après, je reviens sur parfois ce que j'ai fait. Je me dis, tiens, c'était intéressant. Là, j'ai mélangé deux gammes. Ou alors, là, tu vois, dans cette gamme, il y a une note qui n'est pas jouée. C'est intéressant. Ce genre de choses. Après, voilà. Ça a trait à... au savoir, à la connaissance harmonique, histoire de... En fait, c'est un trait à la globalité, tu sais, je ne sais pas comment expliquer, mais la globalité de ton savoir personnel afin que tu puisses faire face à cette situation, en fait. Et après, en matière... Alors, je vais parler purement en matière... Genre, en tant que bassiste, moi, je préconise... de s'intéresser à beaucoup de styles, mais surtout en particulier ceux qui te plaisent, parce que tu vas, si tu as décidé d'être un bassiste primordialement de jazz, bon bah maîtrise ton art quoi. Si tu veux être un bassiste en général, comme par exemple moi j'aime la musique, donc il y a de l'EDM que j'aime bien, l'EDM, des trucs de TDM qui me font kiffer. J'ai écouté un minimum pour voir comment ça fait, c'est même pas jouer à la basse en général, mais si je devais en tout cas limiter avec une basse déjà, bah je saurais à peu près comment faire. Mais par contre il y a des trucs country qui me plaisent, il y a des trucs de musique avant-gardiste qui me plaisent, j'aime la musique et je pense que c'est comme toi aussi, tu vois. Évidemment, dans le jazz, on s'y retrouve parce que le jazz, il peut mélanger beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que les musiciens comme nous, on se dirige souvent, on a une tendance à retomber dans ce qu'on a labellé la fusion. Alors qu'en fait, moi, j'appelle ça plutôt de la musique progressive. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que c'est pas parce que tu mets un accord de 13e que c'est forcément du jazz, mais bon, c'est comme ça. Mais là, je m'éparpille, tu vois, mais... Non, mais c'est intéressant J'essaie de conseiller les bassistes. Faites ce qui vous plaît, en fait, sans se poser trop de questions. Par contre, attention à ne pas faire ce que vous ne savez pas faire. C'est-à-dire que, voilà, enfin... il faut s'en restreindre à ce qu'on connaît. Essaye pas de faire ce que tu sais pas faire. Et si tu as envie de savoir le faire, à ce moment-là, j'ai envie de dire, la paresse, c'est pas compatible. Il faut bosser, quoi. Tu sais, c'est pas si compliqué. Il suffit que pendant un mois, tu te dises, je vais analyser un style, je vais prendre. Je sais pas, moi, tu prends n'importe quoi, du métal, comment les mecs, ils jouent ça? Du métal, du trash, je dis n'importe quoi, hein. Mais comment, voilà, l'esprit, c'est comme il y a un esprit dans la funk, il y a un esprit dans... Voilà, il y a... Ce qui est bien, c'est de connaître les styles authentiquement, un bassiste de blues pur, et t'apprends les styles authentiques, comme ça, c'est des pierres à ton édifice que tu peux ressortir, c'est des cartes, en fait, que tu ressors à n'importe quel moment. Parce que, évidemment... Là-dessus, je voulais justement... Excuse-moi, tonton. Tu as beaucoup relevé, toi. Tu as beaucoup relevé. T'es un peu obligé, tu sais. C'est comme quand tu t'intéresses à la littérature, j'ai envie de dire que t'es obligé de lire des bouquins, quoi. Donc voilà, putain, il y a du soleil qui est... Ouais, je te vois pas, ouais. Attends, ouais, je ferme le storm. Mais tu vois, en fait, tu sais, c'est vrai qu'on les connaît, on ne citera pas de nom dans le milieu, non, nous, non, ouais. nous, dans notre milieu, depuis des années,
on croise des gens qui n'ont pas évolué. Et c'est des gens, quand tu leur parles un peu, parce que parfois c'est intéressant de parler à tout le monde, et tu t'aperçois de par ce qu'ils disent, pourquoi ils n'ont pas évolué, en fait. Parce qu'il y a un truc, tu peux pas, tu sais, il faut toujours se référer aux gens qui ont fait ça très bien avant toi, quoi. C'est clair. Personne n'est Superman, et je pense que c'est justement en chopant le plus de langage des autres, en copiant d'abord, sans essayer d'innover. D'abord, tu copies, après tu absorbes et après tu innoves, mais c'est là que tu... voilà, c'est quand c'est absorbé que tu vas pouvoir éventuellement... Trouver ta voie. Ta voie et savoir où ça va un peu, parce que quand tu vas de nulle part et que tu es un peu dispersé, ça va beaucoup moins vite, hein, je pense. Moi, je le vois parce que, tu vois, je fais de la batterie, je joue de la batterie depuis au moins aussi longtemps que la basse, et clairement... le niveau, y a un monde entre mon niveau de batteur et de basse. Pourquoi ? Parce qu'à la batterie, je ne repique pas vraiment. Je me souviens vaguement et j'essaye d'appliquer et ça donne quelque chose de correct. Hein. Je suis un batteur correct, mais je sais très bien que si je me mettais à faire ce que j'avais fait à la basse, bah, ça serait autre chose. Par contre, je progresserais aussi. Par contre, ça va prendre du temps. Bah oui. C'est clair. Donc voilà. Yes. Écoute. Merci. Mais j'ai un truc à rajouter quand même. Vas-y. En fait, tu sais, souvent nous, on est catalogués musiciens de fusion, etc. Mais il y a une différence entre les musiciens de fusion et les musiciens qui ont analysé plusieurs styles et qui parfois se retrouvent à mélanger tous ces styles dans certaines situations. Et c'est quelque chose que je pense que de toi ou de moi, on ne connaît pas forcément. C'est que moi, je t'ai déjà entendu faire des gigs de blues. Ouais, eh oui. Et je t'ai déjà entendu faire des gigs de blues. Et quand tu es dans un rôle, c'est comme un acteur. Bah, tu respectes la tradition. Parce que tu l'as étudié, ce style, tu vois. Et donc, tu peux, tu as ta casquette de bluesman et c'est totalement légitime. Quand on t'entend, on ne se dit pas « Ah oui, mais lui, c'est un jazzman qui essaie de faire du blues. » Donc, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la basse aussi. Et alors, j'essaie de l'appliquer de plus en plus. Après, quand on me voit sous mes projets, sous mon nom, là, je me permets de mélanger. Mais il y a certains gigs qui sont jamais filmés, malheureusement pour moi, ou quand c'est l'heure de mettre ma casquette de mec qui joue du singer-songwriter, ou je sais pas, tu pourrais pas dire, ah oui, mais ce mec-là, en fait, il essaye de faire... Non, j'ai étudié ça, tu vois. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est-à-dire que pour être un bassiste complet, il faut se plonger dans chaque rôle et non pas un petit peu de tout, en fait. Tu te plonges dans chaque rôle et c'est ça qui va faire en sorte qu'après, tu es solide sur plein de choses. Voilà. Après, si, encore une fois, tout dépend de si tu as envie d'être ce genre de bassiste, en fait. C'est tout. Fais ce qui te plaît, mais par contre, ne le fais pas à moitié. Yes. C'est un joli mot de la fin. Voilà. Merci Adrien, merci beaucoup de ta présence. Et on se voit bientôt du coup, nous. Hein. Donc, nous, il faut qu'on trouve un nom de groupe. Il faut qu'on... Exactement. Et j'y travaille. Hein. Yes. À bientôt, tonton, porte-toi bien. Bonne soirée. Bisous. Hein. Ciao. Bis, ciao. Alors. Ok, messieurs, dames, voilà, ça c'était Adrien. Et voilà, je m'espérais. Tiens, il y a une question. Justement, Dimoun, tu posais une question. Et Yann Payet, tu posais une question. Il m'a pensé, mon pan réagir parce qu'il m'a pensé l'une des arts répondre plus ou moins à la question. Yann, ben, mesdames, merci de ta question. Et il cause Birelli Lagraine, justement, dans ce parcours, qui est Dimoun avec qui Marie apprend et Marie impressionnée par sous la prochaine musique comme à Wikipédia, effectivement
pour partager la scène avec lui. C'est du monde qui justement qui joue complètement à l'instinct, qui utilise ses oreilles, qui et pour les guider dans la musique. Et c'est tout ce qu'il jouait, ça vient vraiment de ce qu'il entendait en fait. Hein. Donc ça y est, pour lui, toute la théorie, c'est pas une quelque chose qu'il apprend, c'est pas du tout une quelque chose un peu à l'image même d'Adrien. Et voilà, donc ça m'a pensé, ça nous a fait assez intéressant. Et c'est un sujet assez vaste, hein, qu'on lui dit rien. Tu vois. Et tu disais cause 15 minutes, une cause une demi-temps. Écoute, ben voilà, en tout cas, nous marie content. Et oui, moi, tu peux aussi finir ce qui moi, tu peux dire, justement, pour rebondir à ce qu'Adrien dit. Nous, tu peux aller un peu, l'eau s'assise là également. Et voilà, continuons vos autres questions. Elle a une question déjà de Ludovic, donc vous pouvez répondre vite fait. Juste pour finir ça, moi, tu en voudrais montrer ces affaires là. Et après, nous capables, guetter si nous gagnons les temps encore, répondre à quelques questions. Allô. Et donc, guetter si ça chez malin, donc nous, tu peux cause justement, ça m'a dit histoire mode là. Une meilleure façon pour nous apprendre ça, c'est de nous transposer tout dans la même tonalité. En fait, beaucoup du monde, nous, tu peux causer tout à l'heure, on a ça qui te ça décalase. Voilà, on va nous dire ionien, dorien, phrygien. Donc, nous disons, essaye, ramène tout à une seule tonalité pour que nous sommes capables de commencer nos oreilles. Parce que tout ça tout ça, c'est do majeur. Okay? C'est dans l'intervalle qui entre autres. Alors, maintenant, comment nous sommes capables d'intégrer ça bande son-là? Donc, il est assez simple, enfin, il n'est pas simple, il est assez intéressant, mais il n'est pas complexe, hein, il n'est pas compliqué. Je vais vous montrer certaines petites affaires. Donc, il y a des affaires qui, en théorie, c'est une crack aussi dit, hein, pour nous capables, soulever plutôt un débat ou une curiosité des autres pas. Bon, pourquoi pas, c'est un petit schéma aux autres. Get ça petit schéma, là. Donc, il est assez intéressant. Ça veut dire, qui m'a bouffé, là? Ça veut dire, m'a mettre une base de do. D'accord? Si m'a joué une triade de ré bémol, le do, c'est ce qui nous peut assimiler au son locrien. Donc, il y en a plusieurs raisons qui viennent assimiler ça à un son locrien. C'est exactement pour ça. Qui après nous allons étudier qui était en gros voilà c'est une gamme majeure de do dièse s'il te plaît mais base de do donc maman pouzis réduit à ce triade de base qui est ce qu'on appelle aussi la relative majeure d'un mode donc pour l'ocrien sinon en do c'est un triade de ré bémol le do ça c'est le son l'ocrien ce qui fait l'essence même du son si nous partons ça. Mais nous pas pour capable plus loin, nous pas pour capable à étudier les modes mineurs. Là, nous saisissons un mode majeur, là, hein? Donc, un mode majeur, encore une fois. Donc, phrygien, c'est une triade de la bémol, base de do. OK. Et nous allons comme ça, même comme un petit schéma, là, peut montrer les autres. Éolien. Dorien. Triade de si bémol, base de do. Triade de Fa, base de Do. Do sur Do, ionien, bien évidemment. Et lydien. Triade de Sol, base de Do. Donc, ça, ce qui m'a fait faire là, c'est justement un guide pour eux. Ça veut dire, en gros, si tu peux explorer sa bande sonorité, tu es bien capable de reconnaître tout bande son là, avant qu'il te capable d'aller plus loin. Et ce qui est intéressant avec sa classement là, et moi, Maniaki, Madiamo, quand on t'en trouve ça, noir des plus sombres, nous tu peux cause tout à l'heure de dissonance et consonance, noir des plus sombres au plus clair. Ça veut dire de plus dissonant au plus consonant. Okay? Et souvent, nous pensons qu'il n'est pas utile, mais bon, bah, c'est une affaire qui, voilà, en tout cas, médite-le là. Et écoute, si mon dessin cadence là, il fait que une cadence en fait, hein, si je t'écoute, et écoute ça. Justement, partir du plus sombre pour aller au plus clair. Voilà comment moi, mon travail, mon mettre en application ce qu'on appelle le système modal. C'est-à-dire trouver relatif majeur, transpose tout en une seule tonalité et nous arriver, travailler nos oreilles, faire nos oreilles essayer de comprendre
qui peut dérouler dans ce même histoire-là. Voilà, donc Moura, prends les temps. N'hésitez pas, si on a une question, pensez-nous à les temps encore des petites questions. Alors, nous répond Ludovic Wang. Merci Ludovic de tes questions. Pourquoi la gamme de septième altérée est souvent citée? Et ouais, c'est bon, septième altérée. Donc, il y a plusieurs façons de nous être libre, mais en tout cas, c'est un mode de dominant qui est utilisé par beaucoup grand jazzman, qui sortit souvent dans le système mineur mélodique, septième degré. Du mineur mélodique, ça veut dire que par exemple, nous pouvons avoir Do mineur, mélodique c'est. Vous rappelez, autres mélodiques c'est juste qu'il y a N note qui est bémol. Ça veut dire qu'on mène la gamme majeure, mais juste de Mi, il vient de Mi bémol. Et qui fait à nous cause souvent sa septième degré altéré là, c'est justement à cause de sa septième degré là. L'accord qui te construit pour sa mode là, c'est l'accord. Quasiment un des bandes les plus utilisés dans le jazz. Donc ici, il est plutôt un si altéré. Et ça, l'accord là, un musicien qui joue standard, ça forme l'accord là, et surtout sa couleur l'accord là, c'est une couleur l'accord qui étudiait d'ailleurs, qui utilisait dans beaucoup de standards, et d'ailleurs nous cause beaucoup, on appelle un super locrien. C'est pas pour n'en en plus, on appelle un super locrien. On va prendre dans le détail à ce terme-là, mais il y en a toujours un lien, sur racine, c'est le système majeur, ok, malgré qu'il nous donne un système mineur. Sur racine, il trouve dans un système majeur. Et c'est pour ça qu'il nous cause beaucoup ça, si ça. Et il dit exactement ce que tu peux faire d'aller là, ça veut dire qu'il y a, nous y en a des notes, ok, nous y en a Do, base de Si, et nous construire l'accord qui te pour construire là, c'est ça le Si altéré. Bon, la divine, parce qu'il n'est pas ma note organisée de manière efficace. Et si tu organises de manière efficace, on te base, toi, l'oban note qui est na dans le système mineur mélodique. Donc, il y a un manaco extraordinaire. Par exemple, en montant ce sana là, on a essayé parce qu'ici, nous avons quelque chose qui est très consonant, mais dans ce base, il est très dissonant également. Et voilà, donc c'est là qu'on nous a poussé, nous allons même, nous sommes capables de trouver beaucoup de choses comme ça. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, une dernière petite affaire, en attendant, je porte ça aux autres, si vous avez une question, sinon correct, nous arrêtons pour la même. Ça, faudrait pas nous oublier sa notion de plus clair ou plus sombre. C'est ça qui guide nous l'envie en tant que musicien. Ok, des fois nous pas connais, nous tannez affaires, nous pas connais. Mais comment tu peux causer cadre rien dès que déjà nous bizarre comprend qui fait ça affaire l'un touche nous. À cela, qui touche nous? Est-ce qu'il y fait qu'il y somme? Est-ce qu'il y consonant? Est-ce qu'il y éclairant? Il y a des affaires qui cachées, hein, des affaires qui un peu, comment nous dire, pas cachées mais mystérieux tout ça là. Différentes parties de l'équilibre qui nous besoin trouver entre Manako. Ça veut dire qui fait, par exemple, si je fais Summertime, pour moi, j'ai Mi. J'ai sa couleur là exactement. Parce qu'il m'a envie, peut-être, lit langoureux, lit triste, ou pardonnez-moi. Voilà. Déjà, le texte est assez triste. Bon, maintenant, nous sommes capables aussi d'exprimer l'autre sentiment. Mais pour moi, faire ça, je besoin qu'il n'y ait pas sens à la cour là. Si je n'ai pas envie, sa couleur triste là. Ok. Eh bien, mon cas aussi, mon cas faire. Donc, mon passe d'un mode locrien à un mode mixolydien. Alors, si vous rappelez les autres, dans votre motif, que vous montrez les autres, guettez quand vous êtes, normalement, guettez quand vous arrivez. C'est déjà Marie Claire, déjà. Ok, en termes de son. Alors, on ne va pas pour rendre dans une histoire de fonction, tout ça là, mais pour nous dire, c'est un simple exemple de comment nous sommes capables d'utiliser l'harmonie. Application de ça, toujours la mineure. Donc le Mi, nous sommes capables d'aller encore plus loin. Quand je vais par exemple, voilà, un phrygien, ça c'est un phrygien Bécart 3, mais nous sommes capables infini en fonction. En plus, ça, c'est une couleur un peu hispanisant, un peu flamenco. Mais si moi, envie sa couleur là, au bien connaît qui c'est ça la couleur là, qui sonne flamenco, qui sonne un peu hispanisant. C'est pas parce qu'il dit qu'il sonne hispanisant qu'il peut utiliser. Lui, attention, c'est parce qu'il montagne lui comme ça. Moi, envie gagne sa couleur là, et là, moi, utilise la couleur là. C'est ce chemin là qu'ils ont besoin de prendre. Okay? Et je prends n'importe qui standard.
le plus simple qui existe, vous êtes capable de faire un travail comme ça. Et il y a une question de Jean-René Bastien. Salut Jean-René. Et merci de ta question. Alors Jean-René, dis-nous comment la cause sol mazère est une base de dos des vignes d'Olydien. Alors, il est simple à comprendre parce qu'il a, Jean-René, ce qu'il m'a fait, il m'a simplifié pour mon gain sur relatif majeur. OK? Maintenant, bon, ça te connaît déjà, mais si mon conti empile mon bantiers, nous pouvons ici une fa dièse qui pour justement la couleur qui pour représente le plus le lydien, mais d'après le comment on dit, d'après le relatif majeur, nous pour capable jouer justement une gamme de sol majeur sur do qui peut donner la couleur de lydien. Alors beaucoup du monde fait ça et là souvent je pensais c'est ré. Alors ré c'est aussi une couleur partielle de lydien sur do. Mais par contre, si nous jouons la gamme de ré majeur, nous trouvons qu'il y a un accident, l'eau là, ici, mon référé. Alors, tout notre morcé, celui-là, il ne marche pas, il n'est pas morcé. Alors, nous besoin descendre ça dans des mitons, et quand nous descendons, nous rendons compte qu'il y en a ici, en la gamme parfaite de sol majeur, qui, à base de do, c'est ça pour moi justement nous cause la vision linéaire côte nous allez nous dire oui fa majeur quatrième degré lydien oui mais qu'est-ce que ça veut dire ça quatrième degré lydien c'est ça en fait c'est ça que si nous ramène lire do nous rend nous compte c'est en fait c'est les notes qui vous composent la gamme de sol majeur à base de do et nous vous trouvez quelle relation là inversée. Si nous allons plus dans le schéma plutôt mathématique, nous trouvons que sol et do, effectivement, c'est une relation de carte. Donc, livre, effectivement, quatrième degré de sol. Mais c'est ça qui fait binène de lydien. Et le fait que la triade de sol donc, est la relative majeure du coup de la couleur qui vous donne la couleur lydien en do. Bon, là, un petit peu complexe. Voilà, mais Aïla. Aïla, un petit peu, il n'a pas fait même analyse pour tout ban les autres affaires qui nous trouvaient d'ailleurs là. Etc., etc., etc. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Si nous avons d'autres questions, super. Donc, nous sommes on time. Et passez une bonne soirée. Merci, je t'en écoute nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour une man. Les autres s'y apprisent encore. Et hang around. Suivez pas Mama Jazz. Il y a une tasse d'histoire qui est déroulée. Minute magique, pas de rétrospective. Pas hésiter. Porte à un maximum et c'est tout. Écoute la musique, écoute bon la musique. Et Moudiazot, à bientôt. Thank you.
Thank you.